Pour cette année, le thème choisi pour la 4e édition de la piscine est la réalité augmentée, le e-commerce, le React Native et l'IoT. Un masque sur le visage, de grands mouvements dans le vide, ils ont l'air plongés dans un rêve. La réalité augmentée, comme vous le savez bien, c'est une tendance technologique du futur. C'est-à-dire que le monde d'aujourd'hui, sinon le monde de demain, sera influencé par la technologie, tout le monde le sait. Mais il y a des tendances technologiques qui seront des tendances technologiques qui vont influencer demain. Et donc là, vous avez l'intelligence artificielle, la robotique, les big data. Et la réalité augmentée, en fait, fait partie vraiment de ces technologies-là. Et donc permettre à nos étudiants donc, de s'immerger dans cette réalité-là pour l'augmenter de manière à donner la touche africaine qu'il fallait, et pour nous c'était important. Débuter par la production de shoot photo pro avec des outils de dernière génération, les étudiants du groupe Serco ont entamé cette nouvelle piscine tambour battant. Pendant la seconde journée, ils sont passés à la modélisation 3D. La plupart étant sans aucune notion en la matière, ils ont assisté à un cours pendant 2 heures et fait la pratique. Après avoir suivi une série de formations sur Blender de 2 heures du temps, sachant que je ne maîtrisais aucune notion en modélisation, j'ai réussi à modéliser une maison complète grâce à cette séance de formation de 2 heures du temps sur Blender. Et cela m'a vraiment, j'ai vraiment appris beaucoup de choses pendant cette séance de formation de 2 heures du temps sur Blender. Ce qui m'a permis de découvrir encore de nouvelles touches techniques. Le domaine du digital est en totale effervescence, bousculant tous les domaines d'activité et offrant plus de possibilités aux entreprises voulant agrandir leur chiffre d'affaires. Le groupe Serco est l'une des institutions d'excellence permettant à tous ses étudiants d'explorer et exercer dans le domaine. Le gaming ajouté à la réalité augmentée commence à prendre un élan de forte croissance en Afrique. Serco est une référence dans la production de jeux de simulation avec des jeunes passionnés. Je travaille sur un projet de jeu de plateforme qui s'appelle Let Me My People Go, qui est un jeu qui consiste à sauver son peuple de l'oppression du mal. Je suis vraiment passionné de ce que je fais parce que lorsqu'on a la passion en fait, tout est facile. Donc quand nous faisons ce que nous aimons, c'est plus aisé de travailler. Cette piscine se déroulera sur 3 semaines au cours desquelles des experts viendront s'entretenir avec les étudiants. Les meilleurs seront récompensés par des billets d'avion pour une destination au choix et bien d'autres surprises.